ما شاء الله. بسم الله بسم الله يتنحوا بإذن الله. مشاهدينا الكرام مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا على هذا المباشر عبر صفحة الفيسبوك لدستورنا وقنوات التواصل الاجتماعي لمبادرة دستورنا. في هذه الحصة نجيكم كما كل أربعة اخترا في 15 يوم واللي نخصوها كالعادة لسبل التوافق ومداه وكيفية الوصول إليه، وهذا في ظل المستجدات السياسية اللي نعيشها خاصة منذ انطلاق حراك 22 فبراير 2019. حاضرين معنا اليوم شخصيتين سياسيتين معروفة في الساحة الجزائرية، معروفتين في الساحة الجزائرية، باش نتناقشوا معهم حول الموضوع الأساسي تاعنا اليوم اللي هو التوافق وسبل الوصول إليه وماذا. إذن بدون إطالة راح نبدأ نقدم الشخصيات اللي حاضرين معنا في السهرة هذه وفي النقاش هذا تاع اليوم. معنا السيد مراد يفصح، membre fondateur du comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine CCAFPACS ou PACS hein, pour faire ça fait quoi? CCAF PAX, c'est ça? C'est Mourad? C'est ça, exact. C'est coupe, coupe de la CAF, coupe de la CAF. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. يعطيك الصحة اللي قبلت الدعوة تاعنا وراك حاضر معنا اليوم. أيضا معنا الأستاذ علي إبراهيمي. الأستاذ علي إبراهيمي للناس اللي ما تعرفوش هو نائب برلماني سابق بين الأعضاء المؤسسين للكامان، أيضا عضو مؤسس في الكورديناسيون ناسيونال بور ان كونغريس سيتويان بور لو شانجمون، وهو أيضا بين معتقلي الرأي سابقا عندها سنوات، ولو أنه اليوم رانا نعود نعيش تقريبا نفس السيناريوهات مع شباب جزائريين. سي علي إبراهيمي شكرا للبيت الدعوة وراك حاضر معنا اليوم. شكرا على الاستضافة. ونعود نذكر بلي اليوم راك تحكي باسمك انت ماشي باسم التنظيمات اللي راهم اللي تنتمي اليهم ولا اللي اسستهم، باش نكونوا متفقين على هذه النقطه هذه. سي مراد يفصح ايضا حاضر معنا، وحاضر معنا ايضا الاستاذ عثمان بن زاغو بين المؤسسين لمبادره دستورنا. مرحبا بك عثمان. لو ميكرو عثمان، لو ميكرو برك لو ميكرو. شكرا شوقي، مرحبا بكم. فوالا الناس اللي تشوف فينا، اذا كيما نديروا المحاضرات تاعنا نقوم بالتنشيط، الاساتذه يطرحوا النقاش ويتشاوروا حول مواضيع النقاش، ويكون معنا دائما شخص من مبادره دستورنا للتعقيب ومحاوله يعني إيجاد الخلاصة اللازمة للافكار التي تطرح خلال هذا النقاش. الو منطلق الأول اللي نقدروا نبدأ منه بديهيا، يعني اليوم بالنسبة لكم انتوما كسياسيين كيفاش تشوفوا الوضعية السياسية الحالية اللي رانا فيها؟ كالاناليز بوليتيك وفيت دو لا سيتواسيون دان لاكيل نو سوم aujourd'hui. Sommes-nous dans une impasse politique? Sommes-nous à la veille d'un renouveau politique? Sommes-nous dans une phase de comment dirais-je, de transformation de l'esprit politique général des Algériens? Comment vous analysez cette situation? Tout d'abord, avec vous, M. Mourad Ifsah. Au niveau donc de notre comité, depuis maintenant plusieurs mois, effectivement, donc on a maintenu une continuité politique, des discussions hebdomadaires et des échanges avec d'autres militants et d'autres groupes et organisations donc algériennes, que ce soit des comités collectifs, partis et bien entendu d'autres organisations et personnalités. Pour la simple raison, c'est qu'on considère que depuis
la désignation de Toubouni au mois de décembre 2019, il y a un vrai coup de force qui a été donc réalisé contre, je dirais, la volonté de l'immense majorité du peuple algérien, qui l'a exprimé avec démocratie, avec sereinement et avec respect, mais avec détermination. Et depuis, ceux qui tiennent l'État algérien, c'est pas seulement le gouvernement, c'est pas seulement la présidence, mais tous ceux qui tiennent l'État algérien, parlent en tant que globalement donc les responsables, n'ont pas cessé d'aller dans des directions les plus dangereuses, non seulement vis-à-vis de la population, vis-à-vis des citoyens, mais y compris vis-à-vis donc de l'État-nation algérien. Donc, sans rentrer dans les détails, on pourra le faire tout à l'heure, nous, on considère qu'on est dans cette situation avec les derniers faits marquants, donc une vacance de la présidence de plus de 2 mois, avec un comportement très léger donc des institutions de l'État. D'une part, on condamne un ancien général à 20 ans de prison avec mandat d'arrêt international. D'autre part, il revient, il est reçu avec honneur. D'une part, on condamne à 15 ans de prison de haut responsable militaire avec de graves accusations à 2 reprises. Et en l'espace d'une semaine, ils sont acquittés. Situation dramatique donc de citoyens honnêtes, je dirais très engagés en faveur de l'Algérie, en faveur de la nation, en faveur de l'unité, en faveur de l'émancipation donc de l'Algérie, qui sont maintenus en prison et qui sont en danger. Donc tous ces éléments là, ce sont des faits qui nous amènent à dire que il y a quelque chose de grave qui se prépare. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un crime contre l'État-nation qui se prépare, parce qu'il y a aussi, donc aux frontières du pays, la situation n'est pas du tout, stable, n'est pas matfarache, que ce soit du côté du Mali, que ce soit du côté du Niger, que ce soit du côté de la Libye, que ce soit du côté du Maroc, que ce soit du côté du Sahara occidental, que ce soit de tous les côtés, donc la situation aussi, donc matfarache. Et donc, nous, on pense qu'effectivement, il y a une situation très, très grave dans laquelle se trouve l'État-nation, pas seulement les citoyens ou là, le gouvernement, mais la totalité donc, de l'Algérie en tant que peuple, en tant qu'État, en tant que nation, en tant qu'institution. Voilà, donc, et c'est pour cette raison que, effectivement, nous, dans le comité, depuis quelques mois, on a dit il est temps de discuter avec toutes les personnalités, tous les militants, tous les comités, tous les collectifs, indépendamment de leur position idéologique. Nous sommes prêts à discuter, débattre ensemble pour voir effectivement que peut-on faire ensemble pour aider justement à éloigner le plus possible ce danger qui pèse sur notre pays. Merci Simourad pour cette analyse et cette conclusion d'analyse. C'est Ali Brahimi, pour vous, la situation actuelle, quelle analyse vous faites? C'est une... Donc, je dirais d'abord, avant tout, bonsoir à tous les auditeurs, Zulf Laoun. Je pense que c'est une question très très importante dont nous ne pouvons pas épuiser le débat aujourd'hui. Je pense que la situation actuelle devrait faire l'objet de tous les prochains débats sur au moins 2 à 3 mois, parce qu'elle est véritablement préoccupante, non pas uniquement à cause du fait qu'il y a un encerclement de l'Algérie et le régime a conduit à un affaiblissement général de l'Algérie qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes, si on devait comparer la situation de l'Algérie
on la comparerait sur le plan historique à celle de l'Empire ottoman, qui était appelé l'État malade. Voilà. Donc nous sommes un État malade, nous avons un État malade parce que nous avons un régime hors la loi, parce que nous avons un système hors la loi qui se maintient par la force à la tête de ce pays. Pour caractériser le moment politique, moi je vais vous dire que le moment politique est le même en fait. En fait, l'Algérie a assisté à une véritable contre-révolution conduite par le chef d'état-major et qui a mis un régime, jusqu'à maintenant le régime ne se dément pas, il est exactement dans le bon héritage d'Ahmed Gaïd Salah, y compris après la mort d'Ahmed Gaïd Salah, y compris maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, après une année de présidence Tebboune. Et il faut dire que la stratégie de l'affrontement contre le peuple algérien qui a été entamée à partir d'avril 2019 et le fait accompli ou le coup d'État du 12-12 qui ont été accomplis sous le règne de Gaïd Salah continue après sa mort. Donc cette stratégie d'affrontement est continue. Pas plus tard qu'avant-hier, Kshida a été condamné à 3 ans de prison pour des dessins artistiques qui se servent des images Internet, les mêmes comme on les appelle, et puis encore avant-hier, 32 citoyens de la ville de Béjaïa sont appelés à la barre pour ce demain jeudi, juste parce que ils se sont rassemblés pour demander la libération des détenus. On appelle ça un attroupement non armé, au même moment où le pouvoir, lui, libère les siens, et on dit même qu'il s'apprête à aller vers une amnistie générale pour tous les siens. Toute la Aïssaba, comme il l'avait appelé, des dirigeants de l'époque de Gaïd Salah et même des dirigeants de maintenant, on parle même d'une véritable amnistie pour eux, pour s'en sortir. Donc aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que le pouvoir a échoué en fait, dans son fait accompli. Rapidement, les désaccords interclaniques sont apparus encore plus vifs qu'avant le 12-12. Et visiblement, il y a des accords sur la solution du 12-12, donc il y a une évolution des luttes claniques, les lignes bougent, et l'épisode de la maladie du président et les divers mouvements aussi bien caché que public des supplétifs et satellites du régime pour aller vers une autre solution qu'ils pensent être plus consensuelle montre qu'il n'y a pas de consensus sur aussi bien la méthode que sur le personnage central appelé à arbitrer les conflits. Donc les conflits claniques repartent de plus belle. Et il se dessine une autre stratégie qui ne sera pas moins répressive, c'est clair, l'affaire des détenus de Béjaïa le démontre, mais il se dessine une autre stratégie qui sera un peu plus inclusive pour des forces qui sont prêtes à rejoindre pour peu qu'on leur tende la main. Donc, il est question d'aller vers des élections législatives anticipées, il est question d'aller vers des élections locales et régionales anticipées. Évidemment, vous savez très bien, تشارك في الانتخابات كون النظام السياسي الجزائري يمنع من الوجود تقريب كليا الأحزاب اللي ما عندهاش يعني اللي ما تشاركش في المسارات هذو الانتخابية المزيفة نتاع النظام اللي راه كل مرة يعاود
يبعث حياته من خلال انتخاب مزور. Donc, on s'apprête à nous imposer un autre fait accompli. C'est vraiment un moment très, très difficile parce que la société n'a pas le droit de s'organiser. La société, il y a un véritable état d'urgence qui frappe l'Algérie depuis que Gaïd Salah a fait son coup d'état contre le mouvement révolutionnaire en avril 2019. Et cette stratégie de répression veut à tout prix empêcher justement les débats libres qui peuvent permettre aux forces politiques, aux différentes forces politiques et aux différentes énergies citoyennes de se déployer pour protéger le pays et pour lui trouver des solutions autrement plus démocratiques. Voilà, voilà un petit peu la situation d'aujourd'hui. مرسي مرسي سالي. هذا يعاود يرجعنا للسؤال الثاني تاعنا حول التوافق. اليوم هل الحل الوحيد امام نشطاء الحراك هو التوافق حول يعني هل توافق اولا وثانيا توافق على واش؟ دونك بريمير كيستيون التوافق. هل الحل الوحيد أمام نشطاء الحراك اليوم هو التوافق؟ سي مراد يفصح. Le consensus, باش يعني كومون ديراج pour préciser un peu mon point de vue. Premièrement, donc quand on parle de consensus national, c'est un terme qui a été très utilisé en Algérie, aussi bien par le pouvoir, par les différents régimes, hein, depuis 62. À chaque fois qu'il est dans une situation délicate, effectivement, donc il appelle au consensus national, à l'unité nationale. Il y a aussi d'autres partis politiques de l'opposition et de la majorité présidentielle qui l'utilisent, mais chacun l'utilise à sa manière, selon sa propre, je dirais, démarche politique et selon ses propres perspectives. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même préciser les choses. La question donc du consensus soulève deux questions. Premièrement, est-ce que c'est un consensus national entre les différentes forces, incluant bien entendu le pouvoir de fait, ou alors un consensus ce que nous on aime utiliser qui est plus précis, l'unité d'action entre les citoyens algériens qui sont mobilisés contre le système de l'arbitraire et leur organisation en vue justement de concrétiser les exigences d'Al-Harak. C'est deux choses différentes. Il faut que les citoyens, il y en a des mouatrines, ils fassent واش هي يعني هذه المساله تاع الكونسنسوس. Si on regarde du point de vue de l'histoire, يعني جنب التاريخ, à chaque fois que un régime في الجزائر depuis 62 لقى روحه في مأزق, il appelle au consensus, mais en réalité il ne réalise pas un consensus, il ne satisfait pas aux conditions ni objective ni subjective pour réunir tous les citoyens algériens et toutes les forces vives du pays pour faire un pas qualitatif et dépasser la situation de crise dans laquelle il était. À chaque fois, le consensus auquel il a appelé et qu'il a réalisé sous une certaine forme, ça a été à chaque fois une manœuvre, une façon de mettre hors d'état de nuire les militants, les organisations qui s'opposent à lui politiquement en vue de continuer à régner. On peut citer l'exemple de 63, quand il y a eu, donc juste après l'indépendance, il y avait, bien sûr, tout le monde sait qu'il y avait un désaccord au sein des dirigeants de la Révolution du fait que le rapport de force était du côté de ceux qui avaient les armes, c'est-à-dire l'armée, et qui voulaient imposer le système de parti unique et imposer donc les gens qui allaient diriger l'Algérie. Sont passés par le mot d'ordre central du mouvement national qui date des années 20 à travers donc
déjà les petits groupes qui ont commencé à s'organiser pour constituer l'État nord-africaine, la question donc de l'Assemblée constituante souveraine du peuple algérien pour pouvoir donc contrôler son destin au travers d'élus citoyens sur la base donc de leurs propres préoccupations. Donc, ils ont appelé au consensus, mais le consensus auquel ils ont appelé en 63 est sur un appel auquel la majorité donc, des militants avaient répondu parce que le pays était en danger, parce qu'il était agressé par une autre armée. Et bien, il l'a utilisé pour encore, massacrer. C'est le terme il n'est pas assez fort pour massacrer des maquisards qui n'étaient pas d'accord avec eux, et particulièrement donc dans l'organisation donc du PRS de Mohamed Boudiaf, l'organisation donc du FFS et bien sûr du MDS qui est devenu plus tard le MDR, Takrim Belkacem et d'autres encore. Mais il y a eu plusieurs périodes. Hein, lorsque il y a eu le coup d'État de 65, ils ont aussi appelé à ce qu'il y ait donc l'unité autour donc de ce comité qui s'est appelé révolutionnaire, etc. La même chose si on rentre pas dans les détails. En 88, juste après 88, après avoir quand même, tirer à balles réelles sur des jeunes, tuant donc des centaines de jeunes, effectivement, il y avait aussi un appel au consensus national. Et cet appel au consensus national, d'ailleurs un parti d'opposition dit démocratique, avait relayé ce mot d'ordre pendant plusieurs mois, plusieurs années même, donc de 88. Donc la question du consensus national, si il a l'ASS et le mafoum, النظام ما يقدرش يكون كونسنسوس ناسيونال دو فات كو هذا النظام ما بغاش وحده الجزائر وحده المواطنين والمؤسسات باش نخرجوا من المأزق لا سول شوز كيل فو سي ريستي بغى يبقى في النظام ما بغاش يعني نخرجوا من هذه الازمه ما بغاش الشعب الجزائري يخرج من هذا من هذا من هذا الظلم اي شيرش ا ريستي دونك لو كونسنسوس avec les tenants les tenants donc du système de l'arbitraire, il n'est pas possible pour la simple raison c'est que l'histoire fait tarikh yani ya'allmna blli ma'a hadh an-nas hadou ma yqdarch ykoun yani le consensus. Par contre effectivement depuis 2018 depuis l'ouverture du processus révolutionnaire, donc le Hirak à février donc 2018, il y a 2019, il y a un vrai consensus objectif. Objectivement, les Algériens, les comités, les organisations, les partis sont dans un consensus national anti-système qui est en train de se constituer. Ou qui s'est constitué dans les manifestations par millions d'Algériens, regroupant toutes les tendances, regroupant toutes les idéologies. Donc, ce sont en réalité, objectivement, ils ont réalisé le consensus. Et c'est ce qui a ébranlé le système en place. Il reste effectivement ce consensus à le transformer donc de cette situation objective dans les manifestations, dans les actions, à le rendre aussi à lui donner une dimension subjective, c'est-à-dire qu'il fâche n'azmou le consensus. C'est-à-dire que passer donc d'un consensus dans l'action de manifestation, de grève, de rassemblement, etc., mais maintenant discuter pour organiser ce consensus pour effectivement, qualitativement, y aller donc à un niveau supérieur pour réaliser et concrétiser donc les exigences du Hirakta, itnhaouga, parce que c'est ça la question. Donc itnhaouga, mais c'est pas itnhaouga pour créer le vide, non. Évidemment. Itnhaouga, c'est pour mettre en place de nouvelles bases pour un nouveau système politique dans lequel effectivement le peuple algérien
va recouvrer sa souveraineté et va contrôler son destin. Et c'est ça qui, et ça, ça nécessite effectivement un consensus organisé entre les forces, les militants, les citoyens de toutes les tendances. Tout à fait, c'est Mourad. Merci beaucoup. Merci pour le rappel historique aussi. Hein. C'est bien de rappeler certains faits. Les كلمة التوافق هذه تم استعمالها في العديد من المرات تاريخيا دائما لصالح النظام، يعني كان توافق على اقتسام الريع أكثر من توافق على خطة سياسية لتمشي البلاد. هذه الصح لازم نعود نذكرها. ومليح كي تذكر أيضا باللي كان هناك توافق فعلي في الشارع، وملي خرجنا ما كاش الشارع على جل الحالة الصحية العامة واللي هي يعني راهو يستثمر فيها النظام حقيقة. هذا اللي يخلينا نطرحوا سؤال التوافق حول مشروع سياسي حقيقي لكل من هو مؤمن بأفكار الحراك. سي علي إبراهيمي، on en revient toujours à cette même question. اليوم مادام الشارع ما كانش ماشي باسكو الناس ماهيش حابه، ولكن على بالنا بالظروف الحاليه الصحيه خاصه لا يتمنع هذا الشيء، هذا اضافه الى كل القمع اللي رانا نعيشه، هل التوافق بين كل من يؤمن بافكار التغيير والحراك اليوم يعني يقدر يمثل حل للخروج من الازمه، ولا بدايه حل للخروج من الازمه؟ شكرا للسؤال. يعني في الحقيقة عليا نجاوب على سؤالين. الأول اللي طرحته، الحل الوحيد أمام نشطاء الحراك، يعني أنا من شاطركش في الطرح فقط، أمام نشطاء الحراك، من هم نشطاء الحراك، من يعين من كناشط حراك، وهل القوات السياسية الموجودة يعني المهيكلة من نشطاء الحراك وإلى آخره. دونك أنا نظن أن الحراك ما نقدروش نعينوا له نشطاء، وما نقدروش نعينوا له كيفاش يقولوا قيادة كما يحلم البعض منذ فبراير 2019. الحراك هي هبة ثورية للشعب الجزائري من أجل دولة ديمقراطية، والحراك في نفسه يمثل كما قال الأخ مرادي صح، يمثل توافق أولي عبر ومن خلال شعارات هي في الحقيقة تشكل القسط الأكبر من المشروع الديمقراطي الجمهوري. لما الشعب يطلب دولة مدنية، هذيك عسكرية جات من بعد ما دار قايد صالح كوديطة، مع الأول كانت مدنية فقط، وبالمفهوم نتاعها الواسع أنه لا لاستعمال توظيف الدين في السياسة ولا لعسكرة السياسة. لما الشعب يطلب يتنحى وقاع يتسمى راه يطلب في مرحلة انتقالية إلى آخره. إذن أنا نعتبر أن الشعارات نتاع ما يسمى بالحراك نتاع فبراير 2019 هي عبارة عن توافق شعبي حول ملامح دولة ديمقراطية جمهورية حقيقية. ولكن تسمحوا لي فيما يخص المصطلحات السياسية، لأنه إحنا لازم نكونوا موضوعيين، ورانا في نقاش نضالي ولكن أكاديمي في نفس الوقت. الكلمة هذه نتاع كونسنسوس، لو كان نروحوا، لأنه نهضر على كونسنسوس ومن بعد نهضر على التوافق، لو كان نروحوا أنتم اللي استعملتوها كونسنسوس في العنوان نتاع النقاش، أن الكونسنسوس لو كان نروحوا نشوفوا لاروس le dictionnaire Larousse, il dit que c'est un accord et un consentement du plus grand nombre de l'opinion publique. C'est une procédure pour dégager un accord sans vote formel qui évite de faire apparaître les objections et les abstentions. Donc c'est là où se situe le premier problème. C'est-à-dire qu'en fait, deux forces politiques importantes peuvent faire consensus entre elles et l'imposer aux autres. On évitera les objections et les abstentions.
Donc, je me méfie énormément de ce terme de consensus. En 1962, il y avait un consensus du peuple algérien qui disait « Sbassine Barakat » et qui nous a valu 58 ans de dictature militaire parce que, comme le disait mon frère Mourad Ifsah, il y avait une force armée en fait qui s'imposait et le consensus était en réalité la suprématie d'une force armée venue des frontières. Moi, je préfère Ngoul Koum Sah. Je préfère le terme compromis, qui est plus juridique. Ou bien l'arabie, mais nous disons tawafouq, nous disons ittifaq. Et nous, quand tu dis ittifaq, il y a un tchakhas, fi kalima, wahda, qui est au singulier. Bi mufradiha, tchakhas, wujoud atraf, atraf, dakhl l'ittifaq. Le compromis, c'est une action qui implique des concessions réciproques, donc elle implique une négociation. Cette attitude est beaucoup plus proche du droit, parce qu'il y a des gens qui ont parlé avec les Algériens, surtout le pouvoir politique algérien, et même le pouvoir de la Mouarada. Ils ont un problème avec le loi, ils ont un problème avec le cerveau, avec le réfléchir l'aqlani. التوافق حنا خوا خوا هيا خلاص كل واحد يدخل دارو مي اونتر طون يا دي جون كي اون تي مي اون بريزون يا دي جون كي اون بيردو لا في اي سبحان الله العظيم كيفاش هذه التوافق هذه هكذا برك نتفاهموا خلاص يا جماعه لا لا il s'agit de faire un compromis هذا من جهه maintenant c'est formidable vous lui avez rajouté consensus démocratique. C'est déjà, ça nous évite de ne pas tenir compte des objections et des. Vous corrigez un peu la signification du terme en nous évitant de ne pas tenir compte des objections et des abstentions. Donc, il y a un certain nombre de questions auxquelles on doit répondre. التوافق مع من بين من انت قلت بين النشطاء فات جاوبتك قلت لك ماهوش حل لانه ما كانش غير النشطاء نتاع الحراك لانه جو ميفي من هذا ولو اني انا ناشط حراكيه وحنا خلقنا الحراك قبل الحراك الانسان اللي راه يهضر معكم ما عنده حتى درس يتلقاه من عند حراكيين جدد عرفوا السياسه في 2019 عندي 50 سنه سياسه امامي مورايا وعقبت اولا على المجلس الاستثنائي نتاع المديه والبرواقيه قبل ما نلحقوا لها وين رانا اذا لازم نبينوا بلي فيه اطراف سياسيه الحراكيين هذو سواء كانوا شورتو اشخاص كيما حبوا يبقاو لازم لهم تنظيم بدون تنظيم ما يقدرش يكون توافق ما بين حراكيين ما يقدرش يكون اتفاق ما بين حراكيين ما دام ما كانش التنظيم نتاعهم والتنظيم يتطلب الحريات النظام عرف كيفاش يعني هذا السؤال نتاع كيفاش تلحق الاتفاق ما بين القوات السياسية اللي تحب التغيير وثم الاتفاق مع القوة الحاكمة لأنه ما تقدرش تخرج من 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 حل التفاوض حتى مع النظام ولكن من بعد ما تتبلور وما تتنظم القوات السياسية هذا راح يجي كيفاش رايح يتم أنا نقول لكم حاليا يعني رانا نسبقوا الأمور لما نهضروا على هذا الشيء أولا توافق والاتفاق المليح كاع اللي يكون ضربة انه نتفق ونتوافق باللي لازم اعاده تاسيس الحريات لازم اعاده فرض تطبيق الحريات لانه لازم نعرفوا كيفاش راه المجتمع وكيفاش كان فيه خاصه قبل 2019 المجتمع راه الى اكسبلوزي لوبينيون ات اكسبلوزي Les Algériens sont opposés les uns aux autres, y compris après le Hirak, ça continue. Donc on a besoin de nos libertés, du rétablissement des libertés, de la levée de l'état d'urgence.
On a besoin, y compris sur ces libertés qui sont reconnues, y compris ces lois qui reconnaissent certaines libertés, il faut absolument qu'elles soient abrogées pour permettre un vrai débat. Parce que ce n'est pas un consensus qu'il faut. Il faut d'abord construire des consensus. Et les consensus se construisent d'abord autour de deux choses. La nature de la solution à la crise, ou là, comment faire aboutir démocratiquement et pacifiquement cette révolution citoyenne. C'est la première chose. Et là, on ne peut pas faire l'économie d'une transition démocratique indépendante, d'un processus constituant et d'une conférence nationale souveraine. La deuxième chose, c'est le modèle vers lequel on va. Il faut qu'on discute du modèle vers lequel on va. Moi, je me méfie énormément des gens qui nous disent « Khawa khawa, qui est un nidam en chauffeur ». وهو راه موجد لك قوة مسلحة راه موجد لك قوات أجنبية تنتظر هذاك الوقت لا يا حبيبي لا nous considérons et ça c'est le point de vue de la coordination le point de vue du Kaman et des collectifs qui sont réunis avec nous nous considérons qu'il faut d'abord reconquérir nos libertés faire nos débats nous organiser. Il faut arracher le droit de nous organiser. Parce que la société, vous allez compromettre entre des appareils. La société politique, par exemple, toute tendance confondue, c'est devenu de simples appareils, des coquilles vides, auxquelles moi, bien sûr, je ne refuse pas le droit d'exister. Moi-même, je soutiens les partis démocratiques dans le cadre du PAD. Je suis un des animateurs du PAD. Donc, ce n'est pas que je les rejette, mais ces partis ont besoin de reconquérir le terrain. Ils ne peuvent reconquérir le terrain, réexister que s'il y a une levée de l'état d'urgence. Voilà autour de quoi on doit parler de tawafouk au sens de consensus. Il faut que tout le monde se batte pour la libération des détenus, se batte pour la levée de l'état d'urgence de fait, et pour le droit de s'organiser, c'est-à-dire l'abrogation des lois liberticides. La société civile et la société politique actuelles sont trop faibles pour faire face. Il faut impérativement qu'il y ait un moment de liberté pour permettre aux citoyens de s'organiser, aux énergies citoyennes de donner ce qu'elles peuvent. Parce que les énergies citoyennes, aujourd'hui, la plupart des citoyens, en dehors des militants politiques aguerris, etc., y compris les jeunes formés depuis 2019, en dehors de cela, l'écrasante majorité des citoyens ont peur de faire de la politique, ont peur d'intervenir dans le débat au risque de se faire arrêter, etc. Donc, c'est ça notre démarche. Pour la résumer, je dis compromis et non pas consensus. Le compromis peut devenir un consensus, mais un consensus peut ne pas être un compromis, par définition, parce qu'il laisse de côté les objections et les abstentions. Ils laissent de côté les faibles. Un compromis, c'est une négociation où toutes les parties sont représentées. Et ils arrivent, ils arrivent à un compromis. Mais là encore, je dis, le moment, on a mis la charrue avant les bœufs. Nous avons besoin d'abord de nos libertés pour organiser les différents consensus entre les différentes opinions et les différentes orientations. Et il ne s'agit pas d'idéologie, parce que « blouna bhad l'kelma hadi »« mnin tahdar ala bina doula démocratia hurra jumhuria » il dit « krak dir fil l'idéologie » Si Mohamed, le jumhuria démocratia, c'est pas de l'idéologie. Si Mohamed, le qadiyya n'ta l'moussawet, c'est une qadiyya de qaïda qanounia, le qadiyya n'ta l'hurriyat, l'fardiyya ou l'jama'iyya. هذه قواعد قانونية ما فيهاش إيديولوجي. Donc il faut impérativement qu'on ordonne, qu'on mette les priorités, qu'on ordonne le débat. Merci. D'abord se mettre d'accord pour que soit levé l'état d'urgence. Merci. Ensuite débattre, s'organiser et ensuite lorsque les forces se seront cristallisées, se seront organisées, à ce moment-là on peut s'entendre. Ça ne nous empêche pas évidemment de démarrer tout de suite ce type de débat qui sont importants pour éclairer l'opinion, d'autant plus que c'est le seul espace citoyen qui nous reste avec la fermeture de tous les lieux de réunion, par à la fois la répression et la COVID. Voilà, merci.
Merci à vous, Sial Ibrahim, et merci d'avoir amélioré notre sémantique. Non, ce n'est pas la vôtre. Il y a un parti à qui je l'ai non, déjà. Je sais. Non, c'était juste pour détendre l'atmosphère. Je t'ai dit Alors, Sial Ibrahim Nzaro, je te laisse le soin de résumer un petit peu ce qui a été dit jusqu'à présent. Merci Choukri, choukran. Hiya rana nchoufou blli l'ikhwa mtafqin ala kan ittifaq machi tawafaq walakin ittifaq ala anna yajib an yitwahhad l'hirak ala ba'd l'ahdaf sur des objectifs. Alors qu'on appelle ça un compromis ou un consensus sur les objectifs, donc l'unité de l'action telle que l'a appelé Simourad et le compromis tel que l'a appelé Si, je pense que c'est très significatif quelque part de la culture politique et puis finalement de l'analyse de la situation. On est bien dans un moment, je pense, dans un moment révolutionnaire. Et dans un moment révolutionnaire, nous ne sommes pas dans une situation d'action politique classique, normale, organisée. Nous sommes dans un moment je dirais, d'action, de mouvement du peuple pour arracher un certain nombre de revendications bien évidemment, à ce moment-là, de les clarifier d'une manière très, très forte. Alors, certains vont nous dire toutes les revendications sont dans la rue, sont dans le Hirak et sont dans les pancartes du Hirak. Oui, c'est clair. Par contre, je pense que le compromis, comme l'entend Siali, ou l'unité d'action, comme l'entend Simorat, c'est aussi de mettre des priorités à toutes ces revendications des Algériens pour pouvoir leur donner une substance politique et donc leur donner une réalité politique. Et je pense que c'est dans ce sens-là que nous parlons, nous, dans d'autonomie de consensus démocratique. Le compromis, comme l'a très, très bien dit notre ami Ali, qui est un juriste, donc qui est très précis hein, comme un juriste, en fait, se fait entre forces représentatives. Or, les forces représentatives dans une société ne peuvent l'être réellement qu'à travers un processus électoral transparent. Et toute la difficulté en Algérie depuis 1962, c'est qu'on n'en a pas. On n'a pas de processus électoral transparent. Et donc, on est obligé de trouver un certain engineering politique pour pouvoir, malgré tout, trouver des moyens d'action, comme disait Simorad, des moyens d'action unitaire ou des moyens de construction d'un consensus sur un certain nombre d'objectifs ou de priorités pour pouvoir faire, je dirais, d'une manière classique, un compromis politique sur ce qu'on doit faire ensemble dans les 6 mois, dans les 1 an, dans les 2 ans. Alors moi, je note bien que ces questions de sémantique ne sont pas seulement anodines, elles reflètent réellement des positions politiques des uns et des autres, et je pense qu'elles reflètent aussi une différence d'analyse. On voit bien que il y a une analyse qui dit que globalement, nous sommes dans un moment fondamentalement révolutionnaire et dans un cadre révolutionnaire, nous avons besoin d'outils révolutionnaires pour pouvoir construire quelque part des moyens de renverser le pouvoir, puisqu'on est, Yetnahauga, c'est un renversement du pouvoir, hein, du système de gouvernance et du pouvoir, du régime, hein, chacun selon ses termes. Et donc, on est dans un système, on est dans un combat fondamentalement politique et révolutionnaire. Nous ne sommes pas dans un combat classique d'exercice démocratique. Hein. Nous sommes vraiment dans un combat révolutionnaire. Et nous sommes dans un combat révolutionnaire pacifique, donc non armé, et donc fondamentalement politique, qui a besoin d'inventer des outils politiques adaptés à notre situation, ce qui, je pense, est une… Voilà, nous avons des expériences dans le monde dans ce sens-là, et nous sommes en train d'inventer de nouveaux types de combats et de nouveaux types d'outils. Donc, je pense que Larousse, là-dessus, il est normal qu'elle s'adapte à des situations de vie politique et de compromis, de contrat social, politique, construit à travers un certain nombre d'organisations classiques de la société. Nous sommes dans un mouvement révolutionnaire qui a besoin de refondre un certain nombre d'organes, de remonter d'un certain nombre de priorités ou en tout cas d'outils politiques. Et moi, je noterai
beaucoup de convergence entre ce que dit Si Mourad et Si Ali, dans le fait que il s'agit de trouver un consensus ou un compromis, chacun selon sa terminologie, sur la nature de la solution. Et donc, sur la nature de ce que pourra être l'État dans l'avenir, ce que nous souhaitons que soit l'État qui est un bien collectif dans l'avenir, et ça se construit maintenant avec les citoyens. Est-ce qu'on a besoin que les citoyens soient organisés en force politique pour exprimer leur souhait de construire l'État et donc dans un débat et un compromis politique entre forces politiques représentatives, ou bien nous avons besoin d'une expression de cette, je dirais, nature, volonté de nature de l'État à travers, je dirais, une démocratie participative, directe, citoyenne, à travers notamment, puisque nos deux amis sont pour une assemblée constituante citoyenne et souveraine. C'est un débat, justement, qui est apporté par nos deux amis pour dire est-ce qu'il faut organiser les forces politiquement dans le cadre d'un combat politique qui sera démocratique, ou bien il faut organiser les forces citoyennes. Et dans ce cadre-là, les forces citoyennes s'expriment à travers peut-être des idées phares, elles s'expriment à travers un certain nombre de revendications, et pas nécessairement à travers des agrégations, je dirais, politiques, hein, donc des mouvements politiques. Alors, c'est un débat, et il est très intéressant qu'on puisse le mener ensemble, nous avons peut-être deux approches qui sont aujourd'hui peut-être en train de s'afficher. Hein, on demandera à nos amis de confirmer l'analyse que nous faisons de la situation. Et moi, je note quand même que la revendication, cette nécessité d'avoir bien évidemment un espace de liberté pour s'organiser, pour pratiquer nos droits civiques et politiques, elle est totalement fondamentale, mais elle s'arrache. Elle s'arrache pas vis-à-vis d'un État dictatorial, elle s'arrache dans le terrain et dans l'action citoyenne. Et donc, on n'est pas dans une revendication, je dirais, statutaire ou une revendication vis-à-vis, quelque part, d'un État dictatorial qui octroierait des libertés, mais nous sommes dans la pratique même de cet exercice de liberté que nous devons arracher, avec les difficultés que nous connaissons, avec un outil répressif policier et judiciaire qui est extrêmement féroce, et Yassine Aoun Nachetin, Falhad Bled, parce que c'est très très difficile ce qu'ils vivent, et nous essayons d'apporter un maximum de soutien à ce que vivent nos concitoyens en Algérie. Je conçois donc que l'approche qui a été apportée par Si Mourad et Si Ali vis-à-vis de la nécessité d'une période de transition pour ancrer les libertés et pour pouvoir organiser les forces politiques, je conçois bien qu'il y a vraiment des convergences, pour ne pas dire un consensus, excusez-moi du terme, démocratique, sur le fait qu'il y a besoin d'une période de transition pour exercer, un, ces libertés, deux, s'organiser pour pouvoir avoir une vie politique plus normale, et donc donner à ce moment-là au peuple le droit de choisir ses représentants en toute liberté, en toute transparence, sans contestation aucune, et qu'à ce moment-là, on construise des compromis politiques dans un cadre de représentation normale des forces populaires et des mouvements populaires. Et donc voilà, je pense que on a bien eu deux exemples très très importants et très significatifs d'approches. Et il s'agit peut-être de voir qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de convergence dans ce qu'a dit Si Ali et Si Mourad, et de voir ensuite ensemble qu'est-ce qu'il faut faire dans l'action politique, qu'est-ce qui est prioritaire pour arriver à arracher les revendications et s'organiser ensemble en tant que citoyen, voire en tant que mouvement, pour pouvoir faire démocratie et faire état de droit en Algérie. Merci, Othman. Si Mourad, Othman vient de poser la question directement. Donc, quelles sont les priorités, selon vous, dans le cadre de cette unité d'action? Premièrement, merci Othman pour cette synthèse, effectivement, qui reprend les idées forces.
Mais j'aimerais quand même attirer l'attention sur un point qui est très important et je dirais urgent à ce que on puisse un peu donc l'intégrer dans notre analyse actuelle. Il y a, quelle que soit l'issue immédiate du processus révolutionnaire aujourd'hui, مهما كان يعني الوضع تاع الحراك اليوم. Il y a une chose, à mon avis, qui constitue un consensus national pour des millions d'Algériens, comme jamais on l'a connu depuis l'indépendance. C'est la nécessité de l'unité, de la fraternité et de la solidarité entre tous les Algériens pour en finir avec ce système. Et ça, c'est quelque chose qui est le tenant du système aujourd'hui, tente par différents moyens donc de casser. Il s'agit d'un palier que nous avons atteint. Je pense que si aujourd'hui on n'intègre pas dans notre conception donc de la lutte du Hirak, du processus révolutionnaire, ce palier que nous avons atteint, et si on ne se bat pas pour le garder et empêcher ceux qui... C'est Morad. Tout à l'heure, ils nous sommes dans une situation dangereuse. Parce que ceux qui sont dans le système, ils se sont rendus compte d'une chose. Tous les courants politiques en Algérie discutent aujourd'hui, débattent librement. Il y a un débat. Oui. J'ai connu à l'université, et puis lorsque j'étais travaillé aussi en Algérie, différents courants politiques. Les débats étaient très durs, très difficiles. Je ne vais pas revenir sur cet aspect des choses. Mais aujourd'hui, les débats, ils ont été, les débats fraternels, les débats sereins, ont été imposés par les citoyens algériens. Ce sont les millions d'Algériens, quand ils descendent dans la rue, qui oblige le Jazairi Belkhamis yemchi à côté le Jazairiya la jupe taha ou la beljin taha, etc. Et ça, c'est fondamental. C'est un palier qui a été atteint. Il faudrait aussi, parce que nous, on considère dans notre comité, on considère qu'un processus révolutionnaire, ce n'est pas une bataille décisive. C'est une série de luttes qui s'inscrivent dans le temps et dans l'espace, d'intensité et de complexité variables. Mais il y a une chose, c'est qu'à chaque lutte, quand on arrache quelque chose, il ne faudrait pas qu'on le lâche. Et là, on a arraché quelque chose. Ce quelque chose, c'est la question de l'unité, de la fraternité et de la solidarité. Et qui a été utilisé aussi donc dans la lutte contre la crise et contre la pandémie. Donc ça, c'est une première chose. À mon avis, c'est une base consensuelle, parce qu'elle est partagée, parce qu'elle est souhaitée, parce qu'elle est nécessaire pour un avenir commun. Je pense que c'est une base sur laquelle il est possible de construire effectivement un consensus au sein des forces qui sont d'accord avec les exigences du Hirak pour aller vers, effectivement, une nouvelle république démocratique et sociale dans laquelle, effectivement, l'état de droit sera consacré avec toutes les libertés. La question, après, qu'il faudra discuter, bien sûr, qu'il faut débattre, il faut discuter. Ce qu'on fait aujourd'hui, on est en train de débattre. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait tous les courants idéologiques algériens dans cette conférence. On va discuter ensemble, il n'y a pas de problème. Chacun, bien sûr, va défendre son point de vue. Chacun, on va écouter comme on s'écoute maintenant. Je pense qu'on est dans ce processus. Et ceux qui, aujourd'hui, sont en train de dessiner un tournant dans la situation politique à l'intérieur du système, c'est parce qu'ils voient effectivement qu'il y a ce palier qui a été atteint, d'une part, et d'autre part, qualitativement, du point de vue subjectif, les organisations discutent, débattent pour arriver à trouver la forme et les moyens pour concrétiser une transition vers une nouvelle république démocratique et sociale.
La question de la transition, bien entendu, on passe d'un système militaro-policier, arbitraire, antidémocratique, et on veut y aller vers un système dont la base serait la souveraineté du peuple algérien, c'est-à-dire le peuple souverain contrôle son destin. C'est bien sûr, c'est un changement qualitatif. Quand on regarde encore une fois l'histoire des pays qui ont connu donc des transitions, il y a différentes façons donc de construire ces transitions. On peut parler donc de ce qui s'est passé en Espagne, donc en 77, par le biais donc du pacte de la Moncloa entre les organisations clandestines opposées au régime de Franco, donc le Parti communiste, le Parti socialiste, le syndicat, les comités ouvriers. Il y a la seule organisation qui n'a pas participé donc aux négociations de la transition en 77. C'était donc la CNT, donc c'est une organisation syndicale forte en Espagne. Mais cette transition, elle a été pilotée et c'était sous les auspices des institutions internationales, essentiellement, bien sûr, les États-Unis, la France, la Banque mondiale, parce qu'il y avait un problème économique important donc à l'époque, qui avait effectivement obligé donc d'aller vers cette transition. Il y avait aussi autre chose, c'est que Franco, avant de mourir, avait désigné son successeur, le roi Juan Carlos. Et donc, dans cette transition, ils avaient imposé à ce que celui qui allait constituer le garant donc, du socle du système de Franco pour que tous ces dignitaires donc, de ce régime dictatorial soient préservés, ils avaient décidé donc, de garder Juan Carlos comme roi donc en Espagne donc des intérêts de l'ancien régime, et c'est comme ça qu'ils ont donc réalisé donc un pacte dont aujourd'hui on voit un peu les conséquences. On connaît aussi la façon dont la transition du régime de Salazar au Portugal en 74 à travers dans la révolution des œillets, et là c'est un vrai processus révolutionnaire comme le nôtre, et c'est une vraie révolution qui a duré plus de 2 ans et qui s'est conclue par contre là-dedans par l'élection libre, démocratique, sous le contrôle du peuple, de ses comités, des organisations, des partis, des syndicats, d'une assemblée constituante qui a effectivement consacré non seulement des libertés démocratiques, des libertés individuelles et collectives, mais y compris un ensemble donc de droits et garanties sociaux pour l'immense majorité donc du peuple qui était mobilisé et qui a chassé le régime de Salazar. On connaît aussi la troisième transition, celle donc du Chili. Donc ça c'était donc dans les années, ça a duré plusieurs années. Ça a commencé en 88 et ça s'est pas terminé jusqu'en 2006. C'est lorsque effectivement donc ils ont tenté donc toujours dans une situation de crise économique, donc Pinochet ne pouvait plus continuer. Les États-Unis, sous la pression des États-Unis, donc ils l'ont poussé donc à négocier une transition. Et là encore la même chose, c'est-à-dire que c'est une transition pactée, comme en Espagne, et dans le pacte, il était écrit un ensemble de garanties, non seulement pour Pinochet, mais pour tous les dignitaires du régime de Pinochet, pour qu'ils ne soient pas touchés et pour que leurs intérêts économiques et sociaux et leur place au sein du régime, c'est-à-dire des sénateurs à vie, soient garantis dans le pacte. Alors, c'est important donc de parler donc de ces questions-là pour la simple raison, c'est que en Algérie, nous, on veut que notre pays soit indépendant, on veut qu'il soit souverain et on ne veut ni que les États-Unis, ni la France, ni les institutions internationales réalisent ou pilotent ou organise la transition. On veut que le peuple algérien organise lui-même et contrôle lui-même cette transition vers quoi ? Vers sa souveraineté. C'est-à-dire que si la transition a pour objectif de redonner la parole au peuple, à ce que le peuple décide lui-même des institutions et de leur forme et de leur contenu, là, effectivement, on consacre, y compris durant cette phase transitoire, on consacre l'exercice de la démocratie. Et ça, c'est vraiment très important d'en parler. Pour nous, donc, dans le comité de citoyens algériens en France, pour l'Assemblée constituante souveraine, nous, on pense qu'effectivement, il faut convoquer
élection d'une assemblée constituante souveraine qui soit législative et exécutive à la fois. On explique, on rajoute la question de la souveraineté parce qu'il y a des choses qu'il faut, il faut mettre un contenu. Quand on dit souveraine, ce n'est pas un terme seulement. Quand on dit une assemblée constituante, législative et exécutive à la fois, et elle est souveraine, ça veut dire qu'une fois que le peuple aura élu tous ses représentants dans cette assemblée, elle sera au-dessus de tout le monde. Ça veut dire qu'elle aura mandat de remettre toutes les anciennes institutions à la place qu'elle souhaite leur donner. Ça veut dire que, ça veut dire qu'elle va, elle va décider en réalité de démanteler les institutions de l'arbitraire pour mettre en place d'autres institutions démocratiques. Et ça, je pense que c'est oui. nous effectivement, donc on propose à ce qu'on débatte avec les organisations, les comités, les partis, etc. Donc de cette question-là, nous on dit il faut que cette assemblée soit législative parce que il faudra aussi qu'elle abroge toutes les lois discriminatoires, toutes les lois liberticides et qu'elle adopte de nouvelles lois. Il faudrait qu'elle soit exécutive parce qu'il faut aussi qu'elle nomme un gouvernement. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de nommer un gouvernement, c'est à cette assemblée que de nommer un gouvernement qui va effectivement mettre en œuvre une autre politique bien sûr économique, une autre politique sociale, culturelle et bien entendu, asseoir vraiment, véritablement, la démocratie et l'état de droit. Merci. Merci, c'est moi, Adif Sah. Merci pour toutes ces précisions. C'est Ali Brahimi. On a eu quand même une idée de la vision du comité des citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Alors, moi, j'aimerais revenir avec vous sur ce que vous avez soulevé tout à l'heure comme question primordiale, qui est d'abord s'entendre autour de quoi ? Tout d'abord, s'entendre autour du recouvrement des libertés. Donc, Ntam Qbed, qui écoute Taki, c'est Ali, Rfat, Nokta Mohima Jidden, où il y a un nous, le Mouchtama al-Jazaïri, بعد هذه السنوات من العيش تحت الضغط الدكتاتورية, لحقنا وين ولينا مجتمع متشتت ما يعرفش يهضر مع بعضه وبعض. قريب عادي بعض وبعض. صحيح أنه خلال المسيرات في الحراك من فيفري 2019 شفنا أنه الجزائريين مشاو مع بعضهم بعد مهما كانت التوجهات السياسية والإيديولوجية تاعهم, إلا أنه اليوم بعد ما وقفوا هذه المسيرات نعود نشوفوا تعود تخرج تطفو هذا بين قوسين الاشتباكات الإيديولوجية بين الأشخاص ولا غيرها. ورفعت أنت نقطة مهمة اللي هي استعادة الحريات قبل كل شيء باش نقدروا نحكي ونمشي ونروح نحو هذا المسار, مسار انتخابي ولا مسار تغيير والمسار الانتقالي. قبل كل شيء لازم نعاودوا نلحقوا على الحريات الأساسية, الحريات الفردية, الحريات الجماعية وغيرها. كيفاش نقدروا نديروها حسب رايك سي علي؟ كيفاش نعاودوا هاد الحريات؟ كيفاش لازم نعاودوا نسترجعوهم؟ شكرا على السؤال. في الحقيقه نود نقول انه نتقاسم انا والسي مراد الاطروحه, سواء كانت الاطروحه نتاع المجلس التاسيسي السيد أو الأطروحة نتاع ضرورة المرحلة الانتقالية اللي تمكننا من قلع الميكانيزمات والمؤسسات اللي راهي تفرض الديكتاتورية على الجزائريين, سواء من خلال قوانين يعني قاتلة للحريات أو من خلال مؤسسة الشرطة السياسية اللي جعلت من السياسة حرام لكل الجزائريين اللي ما يمشيوش في الأطروحة نتاع النظام. فيما يخص الأولويات, احنا من نفهمش يعني وعلاش بعض الإخوة
ما حبوش يفهموا القضيه بصوره يعني عقلانيه، بصوره تقريب نتاع الرياضيات. اولا الحريات، الاطروحه او المجال الوحيد اللي ممكن تكون فيه اتحاد في العمل، يونيتي داكسيون، في هذا الوقت هو قضيه الحريات، قضيه رفع حاله الطوارئ الغير قانونية المفروضة على الجزائريين، قضية إلغاء كل القوانين القاتلة لحريات، قضية، وهذه هي يعني أولى فيهم، قضية تحرير السجناء. وهذه المرحلة هذه ممكن تكون فيه اتحاد، ولكن اتحاد ما بين من؟ هذا يعني مفروغ من نقول ما بين من، لأنه ممكن كاين بعض الناس يقولوا حتى القوات اللي راهي مع النظام بعض منها راهي مع الحريات، إذن ممكن تشارك في الـ لا لا، ما كانش منها. القوات اللي راهي مع النظام راهي قابلة بالوضع الحالي، إذن الاتفاق والوحدة العمل رايحة تكون ومطلوبة ما بين القوات السياسية والاتجاهات السياسية والناشطين السياسيين اللي راهم تقبلوا بالمسار الثوري وبالمطلب التغيير الراديكالي اللي راه يحمل فيه، اللي يعني متقبلين لازم يكون تغيير، لازم ترجع الكلمة للشعب، لازم الإلغاء القوانين القاتلة للحريات إلى آخره. هذه ممكن تكون فيها. احنا بادرنا من رسالة جات من المجتمع المدني، يعني من تنظيمات كما الكوليكتيف هذه، خصوصا من تنظيم الكمان، جات فكرة أنه نخلقوا ان كوميتي بور لا ديفونس دي ليبرتي اللي رايح يجند الناس. والفكرة هذه ولا المبادرة بها هذه، فضلنا في الخريف اللي فات أنه نعملها داخل الباد أو داخل المجموعة اللي تضم تنظيمات نتاع المجتمع المدني، دي كوليكتيف دو لا سوسيتي سيفيل، وشخصيات من المجتمع المدني، واحزاب سياسيه، خمسه احزاب سياسيه، لو بي تي، لو بي اس تي، لو ام دي اس، لو ار سي دي، اي لو سي بي. دونك فضلنا انه الباد ياخذ بهذه الفكره. للاسف هناك يعني هناك ان غران روتار اي تي بري، لانه نظمنا مع جماعه الباد، نظمنا يوم حول الدفاع على التعدديه السياسيه والتعدديه الحزبيه، يوم 10 اكتوبر اللي فات في مقر الام دي اس، وخرجت، جاوا الناس من كل يعني من كل التنظيمات، ماشي حتى اللي كانت برك في الباد، كاين تنظيمات خارج الباد، جاو المناضلين تاعهم، جاو رجال، جاو نساء، وتناقشنا، وخرجت هذاك اليوم خرج بإن ريزوليشن، لائحة تنادي بخلق هذا اقتراح من القاعة ماشي من الناس تاع الباد، تنادي بخلق لجنة من أجل الدفاع عن الحريات، لجنة من أجل استرجاع الحريات. للأسف منذ 10 أكتوبر والباد يتلعثم مرة إيه مرة لا، ولكن هذه المبادرة هذه رايح تعرف الوجود في الأسابيع المقبلة، لا لأنه نطلب الحريات باش نروح المسار الانتخابي، هذا محال، لأنه الحريات اللي تمكن من الذهاب إلى المسار الانتخابي هي دائما حريات ناقصة، حريات موجهة، لأنه النظام هذا متعود أنه كل الناس اللي يشاركوا في الانتخابات يعطي لهم انتوندونتان، يعطي لهم قاعات باش يجتمعوا، أما الناس اللي ضد الانتخابات ما يجتمعوش. إذن المطلب نتاعنا نتاع الحريات ما يندرج في هذه الأطروحة، يندرج في أطروحة تحرير
المسجونين السياسيين يندرج في الأطروحة اللي قالها السي عثمان لا ليبرتي ساراش إل نو سو دون با ماشي بالخواخوة اللي يجي لو شونجمون. من جهة أخرى أنا مقتنع باللي التغيير الديمقراطي والتغيير الذي يطلبه الشعب الجزائري عبر الشعارات هذوك الأساسية كدولة مدنية كيتلاحوا كاع إلى آخره، هذا التغيير مش رايح يجي بالخواخوة، مستحيل. مش رايح يجي مثلا بعض الخوا قال نشوفوا القوات الإيديولوجية المتناقضة في الماضي نشوفوا كيفاش نصلحوا بيناتهم، ولما يقولوا احنا متفقين رايح النظام يتفق معهم. هذو نعرفهم، هذه المسارات قاع قبنا عليهم، والنظام دائما كان يلعب بالطرف ضد طرف آخر إلى آخره. احنا نعتبر أنه التغيير يتطلب استرجاع الحريات، ولكن في نفس الوقت في نفس المسار لازم الناس تنظم نفسها. ماناش نطلبوا باش يتنظم الحراك ما يقدرش يتنظم، لانه الحراك عباره عن مظاهرات شعبيه عارمه يوم الجمعه يوم الثلاثاء ويوم الاحد في الخارج. احنا نطلبوا انه الناس داخل الحراك تتنظم حسب الرؤيه نتاعها الى الحل على 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 ركيزتين. الركيزه الأولى اللي لازم يتفق عليها ويتم عليها التنظيم ويتم عليها التوافق بين الناس اللي نظموا مع بعضهم، هي الخرجة من الأزمة هذه، وكيفاش نعملوا باش الثورة الديمقراطية هذه تلحق للمغزى نتاعها ما تصر لهاش كما نتاع 89. هذه سافودير كو نتفقوا على مرحله انتقاليه مستقله من النظام. هذه هي الشعب لما يقول نتنحوا كاع راه يقول باللي مانيش قابل ان الناس اللي قادوا الجزائر الى المهزله الحاليه هما اللي رايحين يقودوا المرحله الانتقاليه. ممكن يكونوا طرف، يكون عندهم كرسي واحد داخل المرحله الانتقاليه، ولكن ما يقودوش المرحله الانتقاليه. وثانيا البروسيسوس كونستيتيون اعاده تاسيس ولا مجلس تاسيسي سيد، وثالثا ندوه وطنيه سيده. هذو ميكانيزمات، من غير الميكانيزمات لازم نجتمع ونتجمع حسب الرؤيه نتاعنا الى النمط نتاع الدوله اللي حابين نوضعوها في بلاصه الدوله الديكتاتوريه الحاليه. يعني se mettre d'accord également sur le modèle d'État que nous voudrions. Donc les rassemblements et l'auto-organisation doivent se faire autour de ces deux équations. Les mécanismes de sortie de crise et le modèle d'État que nous voulons construire pour demain. Les forces vont se rassembler autour de ça. Je me méfie, لأنه هو بعد راه مناضل نتاع المرحلة الانتقالية. جو مي في نتاع الكلمة هذيك اللي تقول سي البروسيسوس الكتورال ترانسبارون كي فا كريستاليزي لي فورس. لا، احنا ماناش في هذه الأطروحة. احنا عندنا نظام شمولي، نظام قائم على شرطة سياسية، نظام قائم على على حكم العسكر. إذن لازم اولا نسجد الارضيه هذه نتاع الدوله، لازم اعاده تقريب تاسيس الدوله، ماشي بالمفهوم العميق، ولكن على الاقل اعاده تاسيس ارضيه مؤسساتيه وسياسيه اللي تمكن القوات السياسيه تتنظم، واللي تمكنها من بعد تتنافس ما بينها لما يجي المسار الانتخابي. إذن المسار الانتخابي هذا يجي من بعد كامل، واللي يمشي مع المسار الانتخابي كما كاين الناس راهم يقولوا وعلاش ما نروحوش للمجلس المجلس الشعبي وطني ونعطيو له وظيفه اعاده التاسيس نتاع الدستور. يعني يقول لك اسامبلي كونستيتيونت اي ليجيسلاتيف على فوا. نقول لهم فقط انه لما تروحوا رايحين تكونوا أقلية، ما تكونوش أغلبية، لأنه راكم قبلتوا أن النظام يتحكم في المسار الانتخابي، أن النظام هو اللي يقود التغيير، أن النظام هو اللي يقود ما يسمى بالجزائر الجديدة.
ما تديروا والو، حكايه رايحين تديو دي بوست دو ديبوتي. ممكن أن النضال المؤسسات هذا عنده معنى بكري، انا كنت ديبوتي مي في كان انغلاق سياسي، كانت ركيزتين برك للنضال السياسي، الركيزه نتاع المواطنه وتقدر تخرج الطريق ولا تنظم الناس وتنظم احتجاجات، والركيزه المؤسساتيه مثلا تشارك كمعارض في مجلس وطني شعبي وطني ولا في الولائي ولا بلدي الى اخره. إذن الحل هذا اللي راهم يهضروا عليه نتاع الانتخابات ماهوش حل، هذا رايحين فقط يزيد الحراك، يغربل بعض الناس يخرجوا. على بالكم الحراك راه يغربل، شحال شفتوا شحال من الحراكيين كانت في 2019 يقدروا قريب خرجونا احنا من 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 سطح الارض، قال انتم طلعوا احنا 50 سنه نضال، ويقول لك ويكونوا انتم كيفاش غرب لهم كاع النظام، كاين منهم اللي اصبحوا وزراء. رايح الحراك ثاني يغربل دفعه واحده اخرى من خلال الانتخابات المزيفه المبرمجه في الشهور الجايه. اذا لما نولي دائما احنا ماناش نعتبروا نو كونسيديرون با كو لو شونجمون فا فينير داكور اونتر دي زيتا ماجور بوليتيك دو لوبوزيسيون ولا entre des états majeurs ولا entre des personnalités que l'on dit emblématiques du Hirak de différentes tendances et que l'on va coopter par le haut comme ça et les imposer à la population. Le Hirak n'a pas de représentants. Nous ne considérons pas non plus que c'est à travers des accords d'état-major dans l'opposition que l'on pourra ensuite aller vers un accord d'état-major avec Nizam. Nous considérons qu'il faut que le peuple s'organise, il faut que les citoyens s'organisent. Ça, c'est très, très important, parce que quelle que soit l'intégrité, quel que soit l'engagement de ces personnalités ou de ces forces aujourd'hui qui soutiennent ou qui font le porte-parole de la révolution démocratique, ils auront besoin d'un peuple organisé, y compris pendant la transition. Rappelez-vous la Tunisie. La politique est un rapport de force, un changement de cette nature, de système politique, et une transition de cette nature, une sortie d'un système politique autoritaire quasi totalitaire, ne peut pas se faire sans auto-organisation du peuple. Il ne peut pas réussir, en tout cas, sans auto-organisation du peuple et des citoyens. L'auto-organisation, elle va se faire selon la communauté de vision autour des solutions. Voilà un petit peu هضرت على اشتباكات ايديولوجيه، حبذا يعني تحبس الاشتباكات الايديولوجيه اللي ما عندهاش معنى تخوف الشعب، حبذا تحبس. ننادي بعض القوات الايديولوجيه والقوات السياسيه اللي حابه يعني توبري حابه تجعل من ثوره شباب نتاع 20 سنه نتاع 40 سنه، هذا اللي كبير فيهم وهما الاغلبيه نتاع الحراك هذا ونتاع الثوره الديمقراطيه، كاين ناس كاين تيارات حابه تجعل منها امتداد نتاع العشريه السوداء، امتداد نتاع لو كومبا اونتر لو فيس اي لو بوفوار، نتاع لا كونتراديكسيون اونتر لو موفمون ديموكراتيك لو كورون ديموكراتيك اي لو كورون اسلاميزم. لا ماهيش امتداد، ان الشعب عنده يعني دير التوافق نتاعو، الشعب راه يقول لك دوله مدنيه امشي ولا قعد. الشعب الحراك هذا ماهوش وليد التسعينات، الحراك هذا راهو وليد سيت ان اكستري دو لا سونسور اي دو لا ريبرسيون دي 20 اني دو كوربسيون دو بوتفليقه بلس لي ريزو سوسيو، هذو هما لي سورس المصادر نتاع الحراك في الحقيقه، بلس لاكيمولاسيون دي لوت. الشيء النضالات كاع اللي مارسناها منذ سنين دخلت في الذهن نتاع الشباب ومكناته مع شبكات التواصل الاجتماعي ومع الشيء اللي يشوفه في الخارج انه يتمسك
بالفكرة الديمقراطية وبالفكرة الحرية ويخرج للشارع. كيفاش انت تجعل منه تحبيت تجيبه تستعمله وتوظفه باش تضرب فيه به العسكر ولا الاخر باش يضرب فيه الاسلاميين؟ لا، على كل التيار انه يعترف انه الشباب هذا تعدى الانقسامات نتاع التسعينات، والناس اللي حبوا يغيروا التاريخ نتاع التسعينات ويزيفوه من جديد ويجعلوا منه سي جوست لارمي كي توي، سي جوست لارمي كي توي لي جون ايتي دون لي مونتاني فازي دي برومناد دي فيليجياتور دو شامبتر. الناس هذو لازم يتوقفوا من هذه الفكره اللي حوسوا كيفاش يزيفوا في ذهن الشباب اللي ما حضر لهاش التسعينات. مانيش نقول انه رايحين ننساو ونجحفوا الناس، لانه في التسعينات كاين جرائم كبيره صارت. لازم يجي الوقت وين كي تكون كي تلحق الثوره الديمقراطيه المغزى والمطلب نتاعها، كاين شكون ابل لا جوستيس ترانزيسيونيل، اون جوستيس ترانزيسيونيل. لازم قضيه المفقودين تعاود تطرح، لازم قضية الجرائم من جهة ومن جهة أخرى لازم تعود تطرح. ولكن أنا لا أقبل أنه الناس اللي كانوا في التسعينات يفرضوا على أغلبية الثوار نتاع اليوم اللي هما أغلبية الشباب الجزائري يفرضوا عليهم الأطروحة نتاعهم. وشكرا. شكرا سي علي إبراهيم. سي عثمان بن زاغو، إذا تقدر تدينا ملخص على واش تحدثنا قبل ما نختموا الحصه تاعنا تاع اليوم. شكرا شوقي. هي الاخوه علي ومراد كاين توافق كبير ولا اتفاق كبير وتيزي لي بون تيرم بين هاد النظره حول ما يقوم به يجب ان يقوم به المناضلين في الحراك من اجل اولا تغيير النظام. دونك ما هي ميكانيزمات تغيير النظام؟ دونك اتفاق على ما يمكن ان نقوم به البعض اليد في اليد لتغيير النظام وكسب وكومون دير اغاشي الحريات الفرديه والجماعيه من اجل دفع النظام الى كي نقولوا النظام نقدروا نشخصوا بون سي باسكو فوالا جو بونس كو لي شوز سون كلير مالغري لي تيرم كي اون ايتي يوتيليزي بار سي مراد سي علي. اي ساجي دو بوفوار ميليتير، دو بوفوار ميليتير كي ا اون فاساد سيفيل، دونك لا فاساد سيفيل نا بلو ليو دتر اي لو بوفوار ميليتير ريفيان اون كازيرن. اي دونك اون ا بارلي دو بوليس بوليتيك، لوتي بوليتيك دو لارمي كي لا بوليس بوليتيك ا ترافير لي سيرفيس سيكري ان سيرتان نومبر دوتغ اوتي دو لا دو ليتات بروفون sont à démanteler par qui m'a gagné le choix par une période de transition. Donc هذا كان اتفاق اليوم حول ما يمكن أن إجبارية هذه المرحلة الانتقالية بين مراد وسعلي. ما يمكن أن يكون ربما لازم حوارات أخرى باش نقولوا ما هو مضمون هذه المرحلة الانتقالية وما هو أهداف هذه المرحلة الانتقالية. Qui est quel est l'objectif de cette période de transition. Mais il y a اهداف المرحله الانتقاليه باش نعرفوا كنا في الحراك وكل المواطنين الجزائريين يعرفوا ما quel mandat il devra être donné. ربما on a parlé de conférence nationale, on a parlé d'assemblée constituante, donc conférence nationale souveraine, assemblée constituante souveraine. Donc لازم نعرفوا ما هي المخاطر من عملية من إجراء أو إجراء آخر أو آلة أخرى أو ميكانيزم آخر، وما هي الأهداف، ما quels sont les objectifs qu'on doit donner à une assemblée constituante ou une conférence nationale souveraine pour faire quoi, quels sont les outils, quels sont les objectifs et quel est le timing, c'est-à-dire au bout d'un objectif qui sera défini on revienne à un processus démocratique, puisque notre combat est pour une Algérie démocratique, un État de droit, un État où la souveraineté du peuple s'exerce d'une manière totale et sans ombrage, sans le moindre ombrage. Et je pense que là aussi, on a bien entendu un accord. Tifak Mebein Irwa à la Darourat
هذا النضال من أجل السيادة الشعبية الكاملة للمواطنين الجزائريين، حول أولا بناء مؤسسات الدولة الجزائرية، المؤسسات سمعنا دولة القانون، سمعنا دولة المؤسسات، سمعنا دولة الحق، سمعنا دولة المواطنة، دولة المواطنة معناتها دولة ليغاليتي، يعني المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين. دونك توت سي كونسيبت ربما لازم نشوفوا كيفاش نتحاوروا ونتفقوا عليها باش نبنيو أرضية سياسية تكون واضحة، طب واضحة المعالم ما بين كل الفاعلين في الحراك، ولا كل الحراكيين وأكثر عدد ممكن من المواطنين، باش هذه الأرضية السياسية يقوم بها الناس اللي ربما يكون عندهم على باليش بار كيل بروسيسوس، سا سا سرا اون ديسكوسيون، اللي يكون عندهم الدور في هذه المرحلة الانتقالية. هل هاد الناس كما يطرح الأخ مراد هو كما قال هو مجلس تأسيسي سيد يكون عنده سيادة التشريعية والتأسيسية للدولة والسيادة التنفيذية، إذا تكون عندها سيادة تنفيذية في هذه المرحلة الانتقالية وفي تعديل وفي إصلاح الدولة الجزائرية من أجل voir les solutionner les problèmes qui sont posés pendant cette période et préparer l'État à la phase d'après. Donc, et voir ensemble quelle serait cette phase-là. Je pense que de ce que j'ai entendu de Simorad aussi Ali, il y a beaucoup de rapprochements de concepts et d'idées et de volonté et d'action pour arriver à organiser la période de transition. Et ensuite, Kimagel, Ali et Simorad, il faut à ce moment-là se mettre d'accord, il me semble, pour trouver les voies et moyens d'action pour arracher ce début de période de transition d'une manière claire et donc là, par une unité fondamentale d'action et d'organisation. Et donc là-dessus, je pense que de ce que j'ai entendu, il y a une grande convergence de vues entre ce que dit notre ami Simorad et Siali sur cette obligation de se mettre d'accord tant sur la nécessité de s'unir pour le départ du pouvoir, le départ du système, et ensuite organiser une période de transition autonome du système qui puisse refléter à un moment donné la souveraineté pleine et entière du peuple. Donc ensuite, voir les instances transitoires, je pense qu'il y aura besoin d'un peu plus de débat pour comprendre de quoi il s'agit pendant ces instances de transition. Merci pour ce résumé. Je crois que nous avons eu cette conclusion. Nous avons eu 90 minutes de la conversation d'aujourd'hui. نختم معكم ضيوفنا الكرام، نعطيكم كلمة الختام لكل واحد فيكم. ما عندي سؤال، ما عندي حاجة، كل واحد حر في كلمة الختام تاعه يقول وش راه حاب يقول. هذه من بين الأسس تاعنا احنا في مبادرة دستورنا، هي أنه أولا وقبل كل شيء نفتحوا المجال لكل واحد باش يعطي الرأي تاعه والفكرة تاعه. Ou c'est du débat que jaillissent les meilleures idées, paraît-il, en tous les cas. Donc, on va attendre de voir les idées qui ont jailli depuis le temps. On va voir comment on va les concrétiser, Inch'Allah, ce sera le plus important. Donc, c'est moi, Ladib Sah, je vais commencer par vous. Je vous donne le mot de la fin. Juste votre micro, vous le réactivez avant de prendre la parole. Merci beaucoup pour cette réunion très 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 intéressante, hein, très intéressante de débattre. Et puis je pense que c'est des occasions qu'il faut multiplier, et bien entendu à tous les collectifs donc d'initier et donc de tels débats. Moi je sur une question on peut dire que aujourd'hui il est posé comme étant un obstacle à la réalisation de l'unité. Oui, il y a des pouvoirs et des personnalités politiques qui disent qu'il faut qu'elle ait des garanties dans l'état cette transition donc pour participer donc dans le cadre de cette unité d'action avec d'autres forces qu'ils disent elle pourrait éventuellement donc demain mettre en place une dictature religieuse, théocratique, etc.
c'est un débat qui est connu. Yani, et puis, compte tenu un peu donc, de ce qui se passe dans le monde, donc certains régimes, il y a de, et bien sûr qu'il y a de, il n'y a pas de chèque en blanc à signer à qui que ce soit. Yani, Makesh, yani, Ranan Dirou fait. في السياسة كل واحد عنده موقف نتاعو كل واحد عنده برنامج نتاعو كل واحد عنده كومون دي المبادئ يعني السياسية نتاعو ولكن الى رانا يعني متقين يعني سي اوني كونفينكو باللي الديمقراطية هي اللي لازم تسير يعني الاساس pour l'alternance au pouvoir on est obligé, donc, de, bien entendu, de revenir à la question de la souveraineté du peuple. Mais il y a effectivement, donc, l'expérience politique a donné aux responsables des moyens pour justement garantir le respect des libertés. Et c'est pour ça que je voudrais donc aborder un point qui est important. Je pense que toutes les revendications démocratiques, tous les droits démocratiques, toutes les libertés individuelles et collectives, elles peuvent être assurées à condition de donner tous les pouvoirs à l'Assemblée nationale. Quand le député, quand celui qui a élu les citoyens, واحد يجي مأدرار ولا يجي متندوف ولا يجي مجيجل ولا يجي من معسكر, il est choisi par les citoyens algériens à l'Assemblée. Il a عنده les pouvoirs, يعني قوة سياسية. Qui va le placer au-dessus de tous, au-dessus du général, au-dessus du commissaire, au-dessus du wali, au-dessus du chef de daïra, etc. etc. Ma'na, c'est la souveraineté du peuple qui yahdar naïb watani, li huwa muntakhab min taraf al-shab, ma'na, al-shab huwa li yahdar. Et donc, il n'y a pas au-dessus. Il n'y a pas au-dessus. C'est par ce biais qu'on peut garantir les libertés. C'est par ce biais qu'on peut garantir la démocratie. Deuxième aspect, deuxième garantie qui est fondamentale, parce qu'il faut aussi donner un moyen aux citoyens. لازم نعطيو, يعني, comment on dit, mécanismat, les chats, باش, يعني, يراقب النواب نتاعو. Donc le respect pour donc contrôler le respect du mandat. خاطر كاينين الناس اللي يروحوا للانتخابات sur la base d'un mandat, يعني عنده برنامج etc. Il se fait élire, qui وصل l'assemblée يدير حاجة أخرى. معناه il faudra donner quand quelqu'un est élu, il n'est pas élu pour 5 ans, mais il est élu tant qu'il respecte le mandat sur lequel il a été élu, tant qu'il respecte le programme sur lequel il a été élu. معناه il faut donner le pouvoir لازم نعطيو القوة للشعب اللي انتخب واحد نائب ولا نواب باش إذا هذا النائب ما n'a pas respecté le programme نتاعو الموندا اللي عطاوه الشعب لازم الشعب يقدر ينحيه من المجلس. Donc c'est le pouvoir à donner aux citoyens de révoquer un ou plusieurs citoyens qui ne respecteraient pas le mandat sur lequel ils ont été élus. Je pense que ce sont deux mécanismes politiques importants qui peuvent effectivement constituer donc, des garanties donc, d'aller vers un état de droit qui est, yani, il ne faut pas qu'on soit naïf, mais je ne connais pas. C'est un processus qui sera dur, c'est un combat, c'est une succession de luttes. يعني باش نوصلوا لهذا الدرجة تاع الديمقراطية تاع دولة القانون وتاع يعني le respect du droit لازم bien sûr il faut du temps, mais je pense que ces deux points qui sont importants, c'est-à-dire que les pouvoirs de l'Assemblée qui soient au-dessus de tous, et le deuxième c'est bien entendu que les citoyens qui ont élu donc ces députés, هذا النواب هذو لازم يكون عندهم يعني القوة, la force donc de les révoquer. La dernière chose, moi je pense que effectivement donc l'organisation elle est en train de se faire aujourd'hui. Il a raison, يعني
Ali, quand il parle effectivement donc de l'auto-organisation, c'est vraiment important parce que il y a eu depuis février 2019, il y a eu le rassemblement du peuple algérien par millions. Le rassemblement sur un ensemble d'aspirations qui sont fondamentales. C'est les mêmes mots d'ordre. C'est les mêmes mots d'ordre qui ont été répétés dans les 48 wilayas. Jamais, jamais en Algérie, on a vu un processus unificateur qui a justement commencé à, on peut dire, il a commencé à penser. Toutes les plaies, toutes les blessures qui ont été produites par le système de l'arbitraire depuis 62. Et on sait que les blessures, elles sont nombreuses. Il y a eu la torture, il y a eu des assassinats politiques, il y a eu des emprisonnements arbitraires, il y a eu etc., etc. Et tous les militants qui ont vécu les années 70, 80, 90, ils ont tous passé de la prison, ils ont tous eu affaire à cet arbitraire. Et les mudaharat de février 2019, je pense qu'elles ont commencé, justement à penser donc ces blessures, parce que on est en train de regarder vers l'avenir. On ne regarde pas vers le passé. Le passé, c'est celui du système en place. Et cet avenir, le construire, on ne peut le construire qu'ensemble. Et on ne peut pas le construire ensemble si on ne commence pas par discuter, dialoguer fraternellement et sereinement ensemble. Kulwahed, bien entendu, il donne son point de vue. Yani, par nature, donc l'histoire nous apprend que dans tous les processus révolutionnaires, dans tous les mouvements donc révolutionnaires des citoyens, plusieurs courants politiques. C'est la nature même d'un processus parce que il y a une liberté, il y a une liberté qui s'approprie donc les citoyens, et donc ils se donnent le droit de se regrouper sur leurs propres convictions, sur leurs propres principes. Et donc, il y a des courants multiples qui se créent. Mais en même temps, dans les citoyens, mais aussi, ce qui provoque aussi la division au sein du sommet de l'État, c'est parce que la façon dont ceux qui dirigent l'État aussi, la façon dont ils veulent traiter est différente, ce qui crée des craquements. Donc, on est dans cette situation-là. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui, l'urgence aujourd'hui, c'est comment effectivement rendre le dialogue entre les citoyens, les personnalités, les organisations, les partis, les syndicats, parce que les syndicats aussi, c'est très important. C'est très important aujourd'hui, la question économique et sociale, elle est fondamentale. Aujourd'hui, ce sont des milliers. Il y a des milliers d'Algériens, des travailleurs algériens, qui n'ont pas reçu de salaire, pour certains, depuis plus d'une année. Il y a les travailleurs de Numilog, il y a les travailleurs de Leni, Tabel Abbas, il y a les travailleurs de l'ENIEM, il y a des gens donc de toutes les entreprises publiques. Il y a des centaines de milliers, d'après j'ai entendu un économiste algérien qui dit il y a des centaines, il y a plus d'une centaine de milliers de petites entreprises qui sont fermées. C'est-à-dire qu'ils sont complètement déstructurés. Ça veut dire qu'avec des salariés qui sont à la rue sans salaire. C'est une situation importante. Ça veut dire que si le processus révolutionnaire, si les organisations, si les responsables ne prennent pas en compte cette question-là, qu'il faut absolument, c'est une question urgente. Parce qu'on n'est pas là pour... La démocratie, ce n'est pas pour que les gens meurent de faim. La démocratie, c'est quelque chose qui doit venir après... Bien entendu que les gens, bien sûr, aient quelque chose à manger, à boire, un toit, etc., etc. Donc, ce sont des questions aussi maintenant qui s'invitent au débat politique et dans le dialogue, je dirais, le dialogue démocratique, respectueux, serein, comme celui que vous organisez. Et je pense que ces questions, donc, de ces questions sociales aujourd'hui, elles prennent une importance capitale parce qu'il ne peut pas y avoir de Hirak victorieux sans les millions de travailleurs algériens, parce que c'est eux aussi qui sont sortis en février 2019,
On voit bien comment les choses se sont passées. Et donc, à mon avis, ces questions sociales, il faut absolument les intégrer parmi les préoccupations urgentes et capitales à régler. Merci, c'est Mourad Ibsah pour cette précision et ce rappel-là. Vous avez bien fait de mettre le point sur le doigt sur ce point-là. C'est Ali Brahimi, donc, باش نختموا الحصه تاعنا تاع اليوم تخي كلمه الختام ما عندي حتى سؤال عندي نعطيها لك لي كلمه الختام برك عاود اكتيفي الميكرو تاعك برك يفو غي اكتيفي فوت ميكرو سي علي فوت ميكرو ها نوبلي با دو رياكتيفي باسكو فو لافي مي اون ميوت فوالا الي رياكتيفي تفضل سي علي صحا يرحم والديك ميرسي والله كنت رايح نعطي برك الكلمه الاخيره ولكن الاخي مراد طرح بعض الشؤون يعني اللي تخليني لازم نزيد شوية. أولا أنا فيما يخص الضمانات يعني هذه الكلمة أنا نبذها رجت كما أنبذ كلمة انكلوزيف هذه لأنه انكلوزيف يرجعنا الى التسعينات ويطلب كلك بار سي تانكرويابل يطلب من تيار الاعتراف بتيار اخر بدون يعني كانه هذا التيار هو اللي انكر التيار الاخر وكانه هذا التيار يعني الديمقراطي المعارض عنده هو اللي عنده يعني الوسائل الرسميه للاعتراف بتيار واحد اخر سي بور سا كو جو لو روجوتي قلت وكان حبذا نستعملوا كلمة بلوريال ديبا بلوريال ماشي انكلوزيف انا ما جو روجيت بيرسون جو نو بيرمي ا بيرسون دو مروجتي قضية الضمانات ايضا يعني تفكرنا في التسعينات كانه رانا امام انتخابات وخايفين واحد يديها ولا خيري انا ماني خايف مولو انا ما نطلب حتى ضمانات ما نطلب حتى ضمانات خصوصا من تيار معارض ما نطلبش ضمانات من تيار معارض ضمانات نطلبها من النظام ونطلبها من العسكر ماشي ضمانات يعطيو الضمان نتاع الإرادة السياسية في التغيير نتاعهم لازم يعلنوا علانية أنهم قابلين نتوجهوا إلى دولة مدنية صحيحة وأنه قابلين يمتثلوا أمام سيادة الشعب الجزائري هذا الضمان الوحيد اللي نطلبه ونطلبه من القيادة نتاع الجيش ما نطلبوش من أي تيار واحد آخر خصوصا لما يكون تيار معارض احنا الضمانات رايحة تجيب التنظيم نتاعك ماتر دو لي سيلوي كي ليز اورغانيز لي ميور غارونتي سو سورون سيل كو فو فو زيت دوني ما يلزمش نكونوا دي زونفون دو كور دون سي اون استوار كيما هذه une histoire كيما هذه الحل نتاعها هو بالورط ميزانات القوه وبالورط ميزانات القوه باش تجي لازم الناس اللي عندهم نفس النظره للخروج ولا لاثبات المسار الثوري ولحل سلمي وديمقراطي حقيقي لازم هذا التيار تتوحد لازم الطيارات هذه التيار هذا يتوحد حول الرؤية نتاعه إلى نمط المجتمع نتاع غدوة اللي يحبه إلى نمط الدولة اللي يحبها هذا هو إذن أنا ماشي متفق خلاص ممكن أنه لو كان نديروا أرضية صحيحة يعني مرحلة انتقالية صحيحة وتعطي يعني المدة اللازمة للنقاش باش يبلور الآراء ممكن أنه ضمانات ماشي الطيار هذاك اللي كنتوا تطلبوا له ضمانات في التسعينات اللي رايح يمدهم هو اللي رايح بلك يسحقهم يطلب منهم لأنه أغلبية الشباب الجزائري راهو اختار الجمهورية الديمقراطية والشعارات نتاع 2019 ما هي شعارات التسعينات لازم الناس تفيق بهذا الشيء ولازم كل واحد ياخذ الاحتياطات نتاعو وياخذ صورة على الواقع فيما يخص انا نشاطر
نشاطر سي مراد فيما يخص المسألة الاقتصادية والاجتماعية. أنا نظن أنه النقاش يقدر ينطلق من درك حول كيفاش يقولوا بالعربية ما نعرفش كيفاش يقولوا les enjeux de la transition économique et sociaux de la transition démocratique. Il faut impérativement que le débat commence. Il faut que l'on arrive à installer un compromis ou un consensus, si vous voulez, m'allège, si c'est suite à un compromis, le compromis peut devenir consensus, autour des enjeux de la transition économique, notamment consacrer définitivement la souveraineté du peuple algérien sur les ressources de son sol et de son sous-sol. Elles ne sont pas discutables. Et ainsi de suite, un certain nombre, notamment l'état social, consacrer les règles de l'état social. Quand je parle de l'état social, je ne parle pas de ce pseudo-socialisme qui, depuis 1962, fait des transferts sociaux une légitimité pour qu'ils puissent détourner des milliards vers l'étranger. C'est un petit peu comme lorsque Chedli a voulu permettre aux dignitaires d'acheter les biens coloniaux, les châteaux coloniaux, et il a autorisé la vente des biens de l'État. Peut-être chéri F5, chéri un château avec un hectare sur les hauteurs d'Alger pour 100 millions de centimes. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un état social qui soit vraiment un état social, qui assure la solidarité citoyenne, qui assure la prise en charge des faibles, la prise en charge des catégories les plus défavorisées, et non pas un socialisme de milliardaires. Et je ne parle même pas de socialisme, parce que socialisme, c'est déjà, on est dans le projet de société. Ici, on veut que les Algériens se mettent d'accord autour de constantes fondamentales de l'État social algérien, comme ils se mettent exactement d'accord ensemble autour de fondamentaux sur l'État de droit, sur les questions des libertés, etc. C'est exactement comme ça qu'il faut traiter la question sociale et économique. Maintenant, on a parlé des priorités tout à l'heure, je voudrais ajouter une priorité à celle des libertés, qui peut réellement mettre en place tout de suite une unité d'action entre toutes les forces présentes, entre toutes les individualités qui veulent bien revenir à l'esprit de la révolution citoyenne de février 2019. C'est la lutte pour le rapatriement des capitaux volés. Nous avons besoin de ce milliard pour réussir une transition démocratique. لازم القوات هذه اللي راهي توضر في وقتها حول الاشتباكات الايديولوجيه ولا اللي تحب تمنع تيار بكماله هو التيار الديمقراطي نتاع المجتمع المدني ينظم نفسه سو بريتكست دو نو با ديفيزي الحراك. لازم هذه التيارات ترجع للمنصوص. المنصوص هو الحريات واسترجاع الأموال المسروقة، لأنه المسار الانتقالي رايح يطلب الأموال باش ينجح. الكلام على الحريات وعلى الأولويات من الحريات والنضال من أجل استرجاع هذه الأموال ما يمنعناش من طرح النقاشات من الآن على المواضيع اللي تشكل إشكالية بيناتنا، تشكل مشكل بين النخبة السياسية الجزائرية وبين القوات السياسية الجزائرية. يعني la priorité هذه des libertés ne veut pas dire qu'il faut évacuer les débats sur des questions qui fâchent entre les différentes forces et entre les différents acteurs politiques et personnalités politiques de l'élite de l'opposition en Algérie. Ces questions-là sont très claires. C'est la question de la citoyenneté et de l'égalité, qui implique l'égalité des droits entre l'homme et la femme, pas l'égalité en droit,
l'égalité des droits entre l'homme et la femme, et l'égalité qui soit consacrée et garantie par une indépendance de la justice qui permette, notamment par exemple, et là c'est un juriste qui vous parle, s'il y avait une véritable cour constitutionnelle en Algérie, ou même un simple conseil constitutionnel qui a le droit de regard sur les lois, le code de la famille aurait été abrogé depuis longtemps, au regard même des anciennes constitutions. Donc, c'est cette question fâche, il faut qu'on en débatte tout de suite, malgré qu'elle continue de nous diviser, mais qu'on en débatte, parce que les citoyens ont besoin d'entendre. Ceux qui ne connaissent pas ce domaine ont besoin d'entendre nos différends. La question également de Temezirt. La question de Temezirt est de la meilleure du meilleur moyen de ne pas en faire un facteur de division entre les citoyens, d'en faire un ciment entre les citoyens, d'en faire un véritable épanouissement de droits fondamentaux d'une partie des citoyens algériens. La question de la séparation de la religion et du politique. Je ne parle pas de laïcité. La laïcité est un terme français. Laïc, il y a le mustalah ferenci. مخلوق من عند الفرنسيين نهضر على على منع توظيف الدين من أجل أغراض سياسية ولا حزبية نهائيا لازم نعطي الاستقلال الذاتي للفضاء الديني من الهيمنة سواء كانت نتاع أحزاب معارضة ولا نتاع الدولة الحكيمة يعني الحكم كاين أيضا إعادة تأسيس الدولة الجزائرية نمط الدولة المركزية هذه الموروث من فرنسا ما يمشيش مع السوسيولوجية التاريخية والاجتماعية نتاع الشعب الجزائري لازم نخرجوا منه والخروج منه واضح لازم نعودوا ناخذوا الاعتبار من التنظيم نتاع الثورة الجزائرية 54-62 بمثابة دي ريجون دو غروند ريجون اللي رايحة تكون عندها استقلالية ذاتية كاملة خاطش الدولة هذه ما تقدرش ناخذ الجنوب مثلا الجنوب في حاجة إلى أنه تكون عنده تنظيم ذاتي يعطيه كل الحقوق وكل الحريات وكل الوسائل لأنه ما هوش معقول خلاص يمر الغاز على 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 حاسي الرمل ولكن بريان بحذها ما عندهاش وإلى خيره من أمثلة ما على باليش ضربوا إلى الحكم بريان ولكن واحد الوقت كانت بريان اللي موجودة أحذى حسي الرمل ما عندهاش الغاز نفس الشيء على كل البلديات نشوفوا مثلا كاين بلديات ما كانش أغنى من أغنى بلديات تقدر تقارنها بالبلديات نتاع لي زيتازوني ولكن الشعب نتاعها عايش في الميزيريا الكاملة إذن لازم نعودوا التأسيس في نمط الدولة هذه هذا واش حبيت نقول نشكر دستورنا نشكر الأخ شوقي والأخ عثمان على تنظيم هذا النقاش الثري ونشكرهم أعطونا الكلمة باش نوصلوا الرسالة دعنا لأنه احنا مناضلين عندنا رسالة ورسالة سياسية والرسالة اللي تحاول تأثر في الوضع السياسي pour sortir l'Algérie par le haut. Sortir l'Algérie par le haut, sortir l'Algérie vers la liberté et vers la paix et vers la démocratie. نشكر أيضا أخي مراد يفصح على النقاش هذا الثري وشكرا للكل. شكرا لك سعلي إبراهيمي شكرا مرة أخرى سي مراد يفصح سي عثمان تحب تزيد حاجة تقولها يا جبل ربي. ربما تعقيب أخير على ما قاله الإخوة علي ومراد هي قالوا بزاف الصوالح اليوم يوجد beaucoup de propositions beaucoup d'idées qui ont été mises sur la table d'une discussion d'un débat pour construire voilà اتفاق ولا توافق ولا consensus ou un compromis selon les visions et aussi une unité d'action pour pouvoir produire le départ du pouvoir et entamer la transformation et le changement radical
de notre pays. Anna, j'aimerais juste peut-être noter aussi un grand point d'accord. On a bien vu que nos deux amis sont pour une assemblée constituante souveraine, comme étant une instance de légitimité. Donc, il y a Hei'a Win. ينبع فيها تتبع فيها السيادة الشعبية من أجل تأسيس قوانين الدولة الجزائرية والقانون الأساسي للدولة الجزائرية. Et la constitution est un acte. الدستور هو ميثاق قانوني وميثاق سياسي. C'est un acte. C'est un document politique et un document juridique. Et donc, je pense que nos deux amis sont d'accord pour que notre révolution produise du droit. Produisent un acte fondateur de l'État algérien qui est la Constitution et que cette Constitution soit issue d'un compromis ou d'un contrat ou d'un consensus national qui mette noir sur blanc les garanties, puisque c'est à l'Ihdra al-Damanat, qui mette noir sur blanc des garanties en termes de droit sur les règles du jeu politique. Je pense que les rapports de force politique doivent être malgré tout régulés par des forces du droit. Monsieur Ali Brahimi est juriste, donc on connaît très bien la force du droit, et un état de droit, c'est celui qui met des règles et qui fait en sorte que ces règles soient respectées. Et la première des règles, la règle suprême étant la Constitution, est celle qui permet de se mettre d'accord, donc de faire un premier compromis historique, un premier contrat social et politique qui va rester pérenne et qui va garantir le fonctionnement politique et démocratique de nos institutions pendant des dizaines et des dizaines d'années, et qui pourront subir des modifications que dans des règles de droit très très précises qui garantissent un large consensus pour pouvoir modifier cet acte fondateur de l'État algérien et donc les conditions de modification de la Constitution. Que ce ne soit pas n'importe quel président ou pouvoir qui, à sa guise, par un rapport de force politique, décide de changer les règles du jeu politique et décide de changer les règles de droit. Et donc, je pense que les garanties dont parlaient aussi Semourad et Séali sont celles d'un état de droit qui fonde les règles du jeu politique, fondamentalement démocratique, et qui permet aux compétiteurs politiques de garantir une alternance dans le respect des libertés, dans le respect du principe de l'alternance, de l'état de droit et d'un certain nombre de principes qu'on pourra consacrer dans la Constitution après un large accord qui est obtenu à travers des vrais représentants du peuple algérien dans cette instance de délibération et de décision démocratique. وشكراً جزيلاً للإخوة علي ومراد لمساهمتهم في هذا الحوار الثري ولطرحهم للمسائل الهامة التي قاموا بطرحها للمشاهدين وللمواطنين الجزائريين، ونرجو أن يكون حوارات أخرى مع إخوة أخرى لترجمة هذا التوافق مع آليات سياسية يتفق عليها كل مواطنين وكل فاعلين وكل الحراكيين من أجل التغيير الحقيقي والجذري للمؤسسات تاع الدولة الجزائرية ومن أجل الأحسن لبلدنا إن شاء الله. شكرا عثمان بن زاغو، شكرا سي علي إبراهيمي، شكرا لك سي مرادي بصح، ونظن أنكم راح تسمحوا لي أنه وتضموا صوتكم لصوتي باش نختموا هذه الحصة هذه. بتذكير أنه كل من وليد كشيدة، خالد درارني، محمد تاج عديت، وكل المعتقلين اللي راهم اليوم في الحباس نعود نذكروا بلي راهم محقورين، راهم في الحباس حقرة، ماشي حاجة واحدة أخرى غير حقرة برك، وبلاصتهم راهي برا ماهيش في الحباس. الحرية لكل المعتقلين إن شاء الله، وجزائر حرة ديمقراطية بإذن الله. اختطاف الناس، اختطاف واستعمال العنف. Come on!
تلبسوا العمامة انتوما سيدكم قصير القامة سلوها قبل ما تطلع الغرامة ما كاين خليفة لا خلافة يا نقص إيمان ونظافة صبرنا عليكم قلتوا خوافة وخيمتوا على ظهورنا معلافة خيمتوا عليكم نحملا الله ما نزيد معاكم دقيقة سوا صندوق وحنا بشقيقة عرفنا ساسكم جيبا وسريقة وعروبو ما زالها عميقة ما زالها ولادنا جاو يغلقوا